Salut à tous, c'est 745, on se retrouve pour la suite de Dream Mirror. C'est parti. Donc la fois de VD, c'est y aller à Bass Road. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Bon, on va voir si on peut rentrer. À la rentrée. Locked. I should check the back. Et du coup, j'ai trouvé le bouton pour courir. My, my, my. Look what we got here. Is that Sam Higgs trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting. Before something bad happened to you. Alors, je resterai tant que je veux, je serai bientôt parti. Chasse-moi, vas-y. I'll leave when I'm good and ready. Just make it sooner rather than later. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. Alors c'est bon, on peut y aller. Donc voilà, maintenant je peux courir. Ça sera beaucoup mieux. Alors, est-ce que je peux aller par la porte? Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. Alors, où est Denis? Il leur dit. Ah ah ah, il y a un corps. Dennis. Dennis. Happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Focus on me.
Sam. Dennis is a distraction. Ah, faut que je me concentre sur la personne qui est là. Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. En fait, je me trompe de bouton. Il est là. Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. Ah! This is Dennis's office. There must be some clues around. Come on, Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Alors, blessure de Dennis. Chest wound. What kind of weapon did this? Something useful. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Donc la chaise a été déplacée. Chest wound. What kind of weapon did this? Ah, ici, il y en a quoi d'autre? Du sang. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. Chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Some IT documents. Nothing useful. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Sam, stop it! Come back to reality. But I... You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Thank you.
The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Alors, je dois une mise à jour. Alors, fouiller. Brouillon de nid. Alors, rentrerai très tard ce soir, désolé. Il faut que j'explique à un connard comment le monde fonctionne vraiment. Oui, il faut dans vraiment. Je serai pas là pour préparer le petit déj, mais il y a des gaufres au congèle et devrait. Et devrait y a. C'est pas fini. Après, je peux pas lire les autres trucs. Non. Ah si, boîte de réception. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Alors, je ne pensais pas que tu redonnerais tes nouvelles. Si tu es prêt à parler, je suis plus que disposé à t'écouter. Je peux peut-être au rendez-vous demain. Nick Waldron. Alors, email urgent. Email. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Wow, un peu plus long celui-là. Curiosité, salut Walt. Désolé de te décevoir, mais j'ai décidé de lâcher l'affaire. Il s'avère que ça a quand même fini en queue de poisson. J'espère avoir plus de chance la prochaine fois. Nick Waldron, le 25 mars. Cher Nicolas, j'espère que tu as fait un bon voyage. Tu m'as dit la semaine dernière être sur le point de dégoter un scoop. De notre côté, les choses ont été bien ternes. J'en ai peur. J'espérais que tu voudrais bien partager avec ce vieux hibou ce que tu as dans ta manche. Walter Dodson. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Alors, planque au nom de Denis. Encore une autre que Walter devra mettre au placard. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Par contre, ici, je peux pas vraiment courir. Ah, ici, qu'est-ce que t'as ? There's something around here that hints at Walter's password. C'est le mot de passe. Des fois, il y en a. C'est écrit des fois. Ugh, my heart's desire. It could mean a person, but also a place. There might be something around here that hints at Walter's password. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Rien de spécial. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Ah, là, non, c'est quoi? Ça, c'est le bureau. Walter's desk is just like him, big and full of mystery.
à examiner. Alors, on a quoi? Vinyle. Alors, il est grand temps que quelqu'un te fasse découvrir les vrais classiques. Tu me diras ce que tu en penses. Cher monsieur Dawson, conformément au souhait de votre mère, j'ai le plaisir de vous annoncer que sa convalescence est en bonne voie et que celle-ci devrait connaître un rétablissement complet suite à un examen médical détaillé. Elle est désormais en mesure de quitter notre centre de soins. Suivant entre mes recommandations, Madame Judith partira bientôt pour la Costa Rica, dont le climat plus chaud devrait l'aider à retrouver toutes ses forces. Si vous avez besoin d'éclaircir le moindre point, veuillez me contacter. PS, votre mère m'a dit que vous rappelez que votre propre rendez-vous avec mon confrère, le docteur Chavez, n'a que trop attendu. Cordialement, docteur Lasufka. Ok, mais il n'y a pas un indice. Photo de chat. Là, il y a quoi lire. Bichon, j'espère que tu ne travailles pas à nouveau comme un forcené. Il faut que tu viennes me voir à Playa Logosta. C'est tellement beau par ici. Maman, je t'aime. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Ah oui, c'est peut-être le mot de passe. Allez hop. Alors c'est ça le mot de passe déverrouillé. That's not it. I have to keep looking. Ah. Ok, on a qu'un seul en plus. That's not it. I have to keep looking. Ce n'est pas ça. Ah mince, je me suis remis sur le PC. Non, c'est pas ça. Je vais pas me remettre sur le PC. Carte postale. La photo. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Does Granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Ah, peut-être que c'est ça son mot de passe, allez. Non, c'est bon. J'ai plus ce mauvais bouton. Alors, mot de passe. Non, j'en ai deux. Judith. That's not it. I have to keep looking. Bah, mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment dans son bureau ou c'est à part? La plaque. Anna avait beau être pigiste, Walter lui a quand même fait une. Ouais. Je sais pas si c'est dans leur bureau. La plaque au nom de Walter. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Ah, du coup on a notre passe là. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Ok, bon, on a encore un autre mot de passe, on va le tester. Maintenant, on va faire Batwold. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Alors, boîte de réception. Alors, aide based. Alors, je voulais te faire part de tous mes sincères remerciements pour ton aide. Tu es érudite et une sainte, quoi qu'il en soit. Il semblerait que je me sois fait du souci pour rien. Merci d'avoir apaisé mon esprit inquiet, Walter Dawson, le 4 avril. Alors voici le rapport sur l'incident de Nick. Ça fait un moment que tu ne m'avais pas demandé ce genre de choses. Il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Encore une journée qui finit mal sur le bord de la route. Les routes de Virginie Occidentale nous prennent plus de notre
de nos fils que le que ne le font les armes à feu. Chef de la police. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Alors ces détails de l'enquête, personne impliquée, Nicolas Waldrom, 35 ans, véhicule couleur rouge marque Cosmo Model Romero 2008. Voiture retrouvée écrasée contre un arbre et entourée de débris, le feu a pris lors de l'impact ou après celui-ci et a brûlé alors que Nicolas Waldrom était sur le siège conducteur. Les traces de freinage suggèrent que le conducteur était surpris par l'animal et a quitté la route à grande vitesse. Conducteur très probablement sous l'emprise de l'alcool. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on, and he always kept his window open. Alors, détail d'enquête 2/3. Airbag déployé, la ceinture de sécurité n'était pas attachée, les vitres étaient relevées, le conducteur était probablement ivre et a oublié de s'attacher. Le feu a consommé une zone restreinte autour de la voiture, mais ne s'est pas propagé. Impossible d'examiner si le conducteur était vivant au moment de la collision, mais si c'était le cas, il n'a pas survécu au feu. Traumatisme crânien, inhalation de fumée et brûlures sont toutes les causes possibles du décès. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Alors, service de police de Walsrud va rapport d'accident. Type d'accident, accident de la circulation de avril 2017, détail d'enquête 3/3. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. C'est de Nick. Ah, là, si, il y a un bureau, non? C'est celui à qui, ça? Plaque de Nick. Ah bah, c'est ici. Walter appelait souvent Nick son petit son garçon de fer. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? Alors, je te laissais dérouler au pepperoni dans le frigo. Ne travaille pas trop tard. PS, la prochaine fois, c'est ton tour. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Nick, Anna, and me. Reposer. Nick wouldn't mind if I kept this, for old time's sake. Je sais pas si j'aurais dû la prendre. Non, sinon y a rien d'autre là. Valid question. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. Alors, 23h41, n'oublie pas. If I had the code, I could get in here. Ah, il faut encore un code. Tiroir de Nick. Est-ce que je peux ouvrir le tiroir? Trop facile d'accès et n'y garderait rien d'important. Ah, ok. Ah, peut-être le placard. Je sais pas fouiller le placard, non? Fourniture de bureau, de vieille note. Déverrouillé. Something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Okay.
Et si c'était ça, le mot de passe 2341. Surtout qu'il a dit n'oublie pas. N'oublie pas 2341. Peut-être, hein, ouais, c'est peut-être ça, 2341. 23. It was a good guess, just not the right one. I should keep looking. Non. Ah non, c'est pas ça. C'est pas 2341. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Il doit avoir un truc qui pourrait m'aider. Valid question. Still not sure. Non, y a rien, y a pas de truc pour m'aider là-dedans. Ah, les amis, il y a peut-être des trucs là qui peuvent m'aider. Donc, the only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. La photo. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Il n'y a rien d'autre. Il y a des post-it, mais je peux pas regarder. Il n'y a rien qui peut m'aider. Non. Quel était son mot de passe à lui? Ça, c'est à qui ça? Ça, c'est le bureau, la plaque au nom de Tara, nettement moins pittoresque que sa propriétaire. Ouais, donc là, il n'y a plus un qui m'aide. You didn't deserve this. No one deserves this. Alors, fouiller le bureau de Nick. Ouais, c'est ça le truc, c'est fouiller le bureau de Nick, mais on n'a pas le mot de passe. Plaque à mon nom, mon vieux bureau. Walter always treated us like family. Ah, j'ai trouvé. Ah, heureusement, je suis venu ici alors. C'est tout, il n'y a que ça à voir. Remplacé par des cartons et des bulles de papier. C'est quoi son mot de passe à lui? J'ai pas du coup les... Parce que du coup j'ai piqué la photo, mais est-ce qu'il n'y avait pas le mot de passe sur la photo ou un truc comme ça? They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Là c'est 2341, après je sais pas, c'est peut-être inversé, c'est peut-être... Ah, peut-être c'est inversé, hein. Au lieu que ce soit 2341, ça peut être 1432. 1432, ouais. Ah, ça n'a pas écrit, non. Et avec quelque chose comme 10,000 combinations, je doute que je vais stumble sur ça. Je devrais continuer. Non, non, attends. Ça n'a pas mis comme je voulais. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Après, il y a que 4 chiffres. Il y a que 4 chiffres. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. If I had the code, I could get in here.
Ah mais le code tu l'as mis où? De toute façon, son bureau il est pas si grand que ça. Il n'y a pas tellement d'endroits où je peux fouiller. Ah, il y a des photos, je peux pas regarder. Le bureau, je peux pas fouiller non plus. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? Quel est le mot de passe? Ah là là, je connais pas le mot de passe. Et y a rien qui m'indique. Walter appelait souvent Nick son garçon de fer. Il n'y a pas de code qui m'indique. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Ou peut-être le mot de passe n'est pas ici, peut-être que c'est ailleurs. Bon, ici on peut pas fouiller. Walter, peut-être lui il a un truc. De toute façon, ici je peux plus fouiller. Là, on peut fouiller. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he set it as his password. Ce que c'est le souci, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à fouiller ici. Quel était son mot de passe? Ça, c'est la question. Something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Bon, du coup, j'ai fait une petite recherche sur internet et en fait, j'avais raté un document. Voilà, ici, il y avait un document là. Et là, on voit bien c'est 31-21, donc il y a un dessin. Danger. 4 digits. I wonder if that's the new code for the archives. Ouais, 31-21. Bon, après, en mettant toutes les combinaisons, j'aurais trouvé à la fin, mais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est 31-21. Thanks, bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation?
qu'est-ce qu'on a? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Le chômage a grimpé en flèche après la fermeture de la mine, tout à fait normal. La courbe s'est aplatie en gros au cours de l'année dernière. Va-t-on assister à un rebond? Les chiffres ont l'air bons, tendance ou exception, il me faut plus de données. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something, or someone. Alors, nom du passager, Nick Waldron, de Virginie Occidentale vers Floride, train 244. Les contacts. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Alors, le 27-01, 20h, avec D, un type nerveux, mais qui a peut-être des infos utiles. Alors, le 12 à 17h. Deuxième rendez-vous avec D. Il y a vraiment quelque chose là-dessous, à supposer qu'il ne soit pas en train de me raconter des conneries. Il veut toujours qu'on se retrouve dans des endroits sinistres. Il a dû mater trop de films. 18-03 à 10h, avec D. Il a fallu que je lui paye le petit déjeuner. Il a dit qu'on ne pouvait plus se revoir, on dirait que c'est une impasse. Le 1er-04, je croyais l'avoir perdu, content qu'il soit de nouveau prêt à parler. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. So did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Alors, je dois être très prudent. Nick est allé trop loin. Il a tenté de me dire un truc. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Change decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Denis est mort. Je ne l'ai pas tué. Il faut que tu me crois. Anna... I did not kill Dennis. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Bon, allez, on va appeler la police, allez. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right.
car. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. My dad will be good company anyway. You mean you're overfocused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Lieu de l'accident. I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Bon, et voilà, c'est la fin de ce petit space sur Twin Mirror. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on enquêtera sur la mort de Nick. Donc je vous dis à très bientôt pour une suite. Bye bye!